Alors, c'est parti. Comment ça marche ce script? Alors, vous avez le lien ici du tableau. Donc, je vais le prendre. Je vais accéder. Alors, ça tombe bien. Je ne suis pas connecté. Donc, là, vous avez des droits en. Je ne sais plus ce que vous avez comme droit. Mais globalement, le script, vous pouvez le voir, il est ici. Pour le voir, c'est gérer. Et puis ici, vous pouvez modifier le script. Et là, il va vous demander de vous connecter avec votre compte. Donc, on va pas faire comme ça, puisque vous n'avez pas mon compte. Donc là, je vais me connecter ici. Me connecter en tant que... Ça, c'est avec mon adresse Gmail, le perso. Voilà. Ok. Alors maintenant que j'ai fait la connexion, je vais pouvoir en créer une copie. Copie 2. Je m'en vais la mettre dans mon drive. Mon drive, sélectionner. Toc. Donc si maintenant, OK, je vais dans mon drive. C'est bien le drive du gâte roulé. C'est bien la copie, donc celui-là je peux le fermer. Et si je vais dans mon drive, je vais bien le trouver. Alors, il est là. Toc. Alors, il est là, il est là, et donc il est là. Alors, le premier truc, c'est que il n'a pas le même numéro de fichier. Ok. Et il n'a pas matrice, ça n'a peut-être pas changé. Donc le premier truc avant de faire quoi que ce soit, c'est d'aller dans outils, macro, gérer les macros, et puis de modifier ce script. Pop, 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 pop. Donc ici, ça c'était, alors ça, ce qui commence par les deux traits là, c'est des commentaires. Donc ça c'était le lien du truc initial. Et ce code-là, donc juste avant le edit, c'est ce qu'il faut mettre ici. Donc là, je vais faire annuler. Je parle bien de ce code-là. Avec le K. Voilà, je le copie. Je vais dans mon script. Et je me le colle ici. CTRL-V. Le deuxième truc à copier. Alors, il faut bien être dans la feuille matrice relevé élève. Et donc là, c'est ce truc-là, ce qui est après JID. Ça, c'est le numéro de la feuille. Il me faut le copier. Et puis, c'est le truc qui est à mettre là. Je vais le copier-coller. 21, 37, 41. Ben, ça, c'est le même, donc il n'y a pas besoin de le faire. Donc en fait, il suffit de personnaliser en fait le SSID, celui-là, qui correspondra à celui que vous avez dans votre fichier. Enfin, quand vous avez copié copié le classeur. Bon, donc là maintenant c'est fait, j'enregistre. Et alors, que fait ce script? Alors, ce script, ben, attends, voilà. Alors, je pars ici d'une feuille de classeur qui contient des données. Le truc important, c'est ce qui se passe. Alors ça, c'est important. Ça compte le nombre de cellules qui sont utilisées au-dessus. Donc le nombre d'étudiants. Ils sont anonymés, mes étudiants. Et puis la ligne 52, elle est fondamentale puisque le script va prendre ligne par ligne toutes les données, les copier ici, donc l'intégralité de votre tableau. Toc. Et puis si je bascule sur l'autre feuille, toutes les données qui sont ici et puis celle-là comprise, hein, elles viennent bien de la feuille synthèse. Et donc c'est ce relevé de notes-là que je vais imprimer. Donc alors, où que l'on soit, il me suffit. Alors je vais vous montrer mon drive. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et lorsque je vais alors lancer le script, outils, macro, relevé étudiant, j'ai le raccourci clavier qui est là. Si je fais ça, donc exécution du script,
Alors vous allez voir qu'ici, normalement, il va lister les étudiants un par un. Alors ça tombe bien. Donc je vais faire continuer. Je vais me prendre mon compte. Paramètres avancés. Ma foi, j'ai confiance. Autoriser. Alors, faut peut-être que je le relance. Outils, macro. Hop. Voilà. Donc là, il commence. ALAL, c'est le premier élève. Batma, c'est le deuxième. Berno, c'est le troisième. Ben, Berno, BL machin, voilà. Donc il va les dérouler comme ça un par un. Et l'intérêt du truc, c'est qu'il va générer dans mon drive à la racine les PDF donc de chacun de ces relevés. Si je prends le premier, j'ai bien l'étudiant AL AL qui a, je vais prendre un 1 et un 7,31. Ben, si je vais là-dedans, AL, bon, faut que je le fasse vite hein, parce qu'il me change de faille à chaque fois. Il a bien un 1 et 7,31. Voilà. Et puis si j'en prends un autre, si je prends, on en est à del CL. Alors del CL, il a 9 et 16,82. Et si je retourne là-dedans, j'attends que ça change ici, comme ça j'aurai un peu plus de temps. Voilà, alors on a dit del CL. Del CL, c'est lui. Et si je vais, il a 8. Où est... Je sais plus ce qu'il avait. Del CL, c'est qui? Alors, c'est cette ligne-là. Et il avait 9. Ah, 9 et 16,82. 9 et 16,82. Donc, ma foi, il va me faire comme ça tous mes petits bulletins. Alors, ça prend un peu de temps. Parce qu'à première vue, si vous regardez le script, une des dernières lignes, là, ça temporise. En fait la boucle parce que si je temporise pas à première vue j'ai un message d'erreur qui me dit que ça va trop vite, enfin ça avance lentement mais sûrement. Donc vous pouvez peut-être jouer sur la temporisation, j'ai mis 1000, ça doit correspondre à une seconde j'imagine. Bon bah vous pouvez mettre 500 pour voir ce que ça donne. Et donc là LANJE. Si je vais dans synthèse, pour l'instant j'en suis LANJE, j'en suis là. L'OEL. Donc il m'en reste. Alors quand est-ce que ça se termine? Parce que c'est quand même un peu long. Pour combien d'élèves? 25 élèves. Alors ça se termine ben, quand vous ne voyez plus l'exécution du script. Là, je suis à l'OMA. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marmi. Alors les données importantes là, tant que je vais regarder cette feuille, pour l'impression de cette feuille là, matrice relevé étudiant, le nom générique là, 2022 AP1 DEL CL, ça vient de cette feuille, hein. AP1 2022, j'ai pris ça aussi, donc évidemment que si vous modifiez les données qui sont sur cette feuille, vous pouvez la mettre en forme hein, comme vous le sentez, mais faudra juste vérifier que dans le script que va vous appeler les bonnes cellules. Une autre cellule importante.
puis la ligne 52. Celle-là, il faut l'activer puisque les références sont relatives. En partant d'ici, il va pointer 45 lignes au-dessus, puis après 44, 43, etc., etc. Donc là, le script est presque terminé. Enfin, oui. Et normalement, ici, je crois, je sais plus ce que j'ai. J'aurai script terminé, je pense. TESAD. TESAD, il m'en reste deux. Il m'en reste une. Bientôt. Deux. Donc ça c'est l'avant-dernier. Et le dernier. Le dernier. Le dernier. Je suis désolé. Le dernier. Ah bah tiens, celle-là, je ne l'ai jamais eue. Détail. Eh ben, j'ai pas eu ce message avec le compte entreprise. Donc peut-être qu'il y a des limitations avec un compte perso particulier gratuit, là, Gmail de base. Je vais faire ignorer. Alors pour finir le script, si je vous le remontre, éditeur de script, il est là. Alors ça c'est les deux sources que j'ai utilisées pour l'adapter. J'ai un peu galéré. Donc ça c'est le nom de la macro. Donc ces deux lignes de commentaires, c'est pour vous dire qu'il faut personnaliser ce truc là en fonction de l'URL de votre classeur. Ça je vous l'ai dit. Ça s'active le classeur. Ça bascule sur la feuille synthèse. Sur la feuille synthèse, ici, ça met le contenu de la cellule B50 dans la variable N. Donc B50 synthèse, c'est cette valeur là, donc ça c'est le nombre de fois que ça va tourner. Quand on a compris ça, ici pour i allant de 0 à 25 exclu, donc ça fait quand même 25 boucles, ça s'incrémente de 1, ça va, alors ça reste sur la feuille synthèse, enfin ça rappelle la feuille synthèse. Ça active la cellule A52, ça c'est important puisque ici ça c'est la référence relative. Par rapport à la cellule A52, ça remonte de moins 45 lignes, hop, au-dessus, i vaut 0 pour l'instant. Donc colonne 0, il n'y a pas de décalage. Et ça va jusqu'à la cellule, même ligne là, mais colonne 33. Donc le 33, c'est ce qui me permet d'aller sélectionner donc tout ça. Il y a 33 colonnes si je vais au bout de mon truc, donc à adapter si vous avez plus ou moins de colonnes. Oui, qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça le copie tout la cellule active, d'où l'intérêt d'avoir activé la 52, puisque ça va donc sélectionner toutes ces lignes là, toutes ces cellules là pardon, et les copier ici. Enfin ici, hein, ligne 52. Et puisque toutes les données qui sont là, elles sont automatiquement reprises sur l'autre feuille, il me suffit maintenant d'activer la feuille matrice et puis de générer le PDF. Donc toutes ces déclarations de variables, c'est juste pour créer un nom de document qui prend la promotion plus la classe avec des petits traits plus le nom plus le prénom. Ça, c'est une variable URL qui
paramètre le PDF. La size, c'est une size, ça c'est une page A4, etc. Pof, ça c'est pour imprimer la feuille et pas le classeur. Ça c'est pour générer en fait une variable réponse qui me permettra de créer un fichier dans mon drive, à la racine de mon drive, donc qui s'appelle export au début. Ça c'est pour faire une copie de ce fichier export en utilisant le nom docname, donc qui est déclaré là-haut. Et puis ça c'est pour supprimer mon fichier, le fichier export de base. Et ça c'est la fameuse temporisation. Bien, bon bah, je crois que j'ai tout dit. Enfin moi c'est ce que j'ai compris. En tout cas, ça fonctionne. Allez, bonnes vacances.